soir, c'est la soirée d'ouverture de cette 15e édition du Festival international de films documentaires d'Agadir. Cette soirée sera dédiée au football féminin et il sera dans la continuité d'une opération qu'on a organisée pendant le mois de février et mars qui s'appelle Tlek Cinema Kora, qui nous a permis d'aller faire des projections ambulantes à travers tout le Maroc pour présenter des films dédiés justement à ce football en partenariat avec les clubs de football marocains de la région Sousse et du tout le pays. Et donc on a voulu pour ce film d'ouverture, pour le film de cette soirée d'ouverture, là aussi choisir une jeune cinéaste africaine de Centrafrique qui dédie son film à une jeune joueuse que sa maman appelait Messi, et donc elle l'appelle Gracia Messi de Bangui. Et cette jeune réalisatrice est déjà venue à Agadir ici en 2018 avec son premier court-métrage, et aussi elle avait aussi différents projets de films dont celui-là, et donc on est content de la voir revenir ici à Agadir avec son premier long métrage, avec cette thématique voilà, qu'on a voulu mettre en avant. مهرجان في دادو كيتميز يعني بما يتميز به، أهم ما يتميز به هو أنه يعني يدعم الطاقات الشابة في الفيلم الوثائقي المغاربة وغير المغاربة، يعني هو خطه التحريري هو دعم الطاقات الشابة، وهو يعني من المهرجانات القليلة التي تعطي الفرصة لمخرجين الشباب في الوثائقي أن يلتقوا بالمنتجين وبالمدعمين عبر العالم في لقاءات. إضافة إلى هذا، فالمهرجان الفيلم الوثائقي بأكادير في دادوك أفلام التي تشارك في مسابقتها الرسمية والتي تختار حتى خارج المسابقة الرسمية هي أفلام تختار بعناية وتعرض لأول مرة في المغرب، ونكتشف دائما يعني في هذا المهرجان نكتشف أفلاما جيدة، هي أفلام لشباب قادمين بقوة للمشهد الفيلم الوثائقي.